Et salut à toutes et à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez tous très bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les mecs, un tuto d'achat-revente comme vous l'avez vu. Donc oui je sais, c'est pas très très original comme façon de faire, vous avez l'habitude, vous en voyez sûrement plein sur YouTube. Mais je tenais vraiment à vous le faire les mecs, parce que cette technique elle est juste énorme. Enfin, de toutes les techniques que j'ai testées depuis le début de l'année, c'est celle-là qui marche le mieux. On se fait des crédits, vraiment, enfin ça monte très très vite, sans, on s'en rend pas vraiment compte, mais ça monte un truc de fou. Et vraiment cette technique elle est énorme, donc je tenais vraiment à vous la montrer. Donc je pense que pour la plupart vous la connaissez, mais vous allez voir, j'ai modifié quelques petits trucs un peu à ma sauce pour que ça parte mieux, pour se faire de mieux des meilleurs bénéfices. Donc je l'avais un petit peu fait dans le Road to League 1, l'épisode dans le Road to PG pardon, l'épisode 1, mais j'ai un petit peu modifié. En gros le but c'est quoi? Donc le but c'est un peu une, on va dire la base c'est de la technique Fist Millionnaire. À la base on va, le but c'est de remplir sa liste. Donc moi par exemple là j'ai une liste à 70, j'ai choisi de la remplir à 60 joueurs pour garder des places au cas où voilà je fais des packs opening ou je sais pas quoi. Mais 60 joueurs c'est déjà bien, voilà vous pouvez en mettre 30, vous pouvez en mettre 40, 50, enfin, bref, vous mettre le maximum de joueurs que vous voulez. Moi j'en ai mis 60. Ensuite vous allez chercher un joueur, on va faire un exemple là avec Arbeloa, qui je sais qui s'est vendu. Parmi les 9 que vous avez vu qui s'étaient vendus, il y avait Arbeloa. Donc vous cherchez Arbeloa, vous cherchez le moins cher du marché. En marché immédiat bien sûr, pas en offre. Donc vous regardez un petit peu autour de 1800, voilà on en a à 2000 les gars, vous baissez un coup à 1900. Donc à 1900 il y en a, il y en a 6. Donc vous cherchez un prop, donc quand je dis prop c'est soit un qui a 7 contrats 99 de forme, ça c'est parfait, il vient de tomber d'un pack ça veut dire, ou soit un qui a plus de contrats ou un style. Donc là on voit qu'il y a 13 contrats, mais bon 13 contrats c'est pas super intéressant, vraiment par contre les gars, si vous voyez un style vous vous jetez dessus direct. À part si c'est un style genre, si c'est un défenseur qui a un style, si c'est un défenseur qui a un style canonnier, laissez tomber. Hein. Mais si vraiment vous voyez un style adéquat, c'est-à-dire là on voit qu'il y a un 24 contrat aussi, mais bon j'ai pas mal augmenté le prix, donc je juge pas intéressant de le prendre. Mais vraiment les mecs, quand il y a un style, ça part encore mieux. Donc le plus important c'est de prendre un style. Si vous voyez pas, si là vous voyez là-bas il y a un style charnière par exemple. Donc je vais pas le prendre parce que j'ai quand même beaucoup augmenté son prix, mais j'aurais augmenté de 100 de moins, je l'aurais pris sans doute parce que on est déjà à 2400 comparé au prix de base qui était de 1900, on a augmenté de 500 crédits donc c'est un petit peu trop. Je vous conseille d'augmenter jusqu'à 300-400 crédits. Donc ça je pense que pour la plupart vous connaissez un peu cette technique, j'aurais pu prendre le charnière mais je décide de pas le prendre. Mais vraiment les gars, si si elle est en 300 crédits de plus que les moins chers, vous voyez un style, vous le prenez direct. À part s'il a moins de 80 de forme, vous prenez pas. Mais sinon, vous prenez. Donc là, par exemple, je prends Arbeloa, 7 contrats. C'est bien ce contrat. Vous allez voir, ça va partir aussi. Et vous allez le relister. Vous les relistez tout le temps à 700 de plus. Il n'y a pas de barème, il n'y a rien. Moi, le barème que je me suis mis, c'est 700 de plus tout le temps. En gros, là, on l'a chopé 1900. Ça va faire du 2600. Donc on va le relister à 2600. Et on va se faire pas mal de bénéfices. Bien sûr, on compte la taxe. Enfin, sans compter la taxe plutôt. On va se faire au moins 500, voire 600 crédits. Avec ce Arbeloa, donc c'est vraiment bien les gars. Et en fait pourquoi ça part vous allez me dire, mais ça part tout simplement parce que il y a des gens en fait quand ils veulent juste jouer, ils en ont rien à faire du prix. Par exemple ils vont vouloir s'acheter Arbeloa pour faire un match, ils vont pas regarder le s'ils ont des contrats ou quoi que ce soit, ils vont prendre le premier qu'ils voient et s'il a un style ils vont encore plus le prendre. C'est pour ça que ça part mieux s'il y a un style et c'est pour ça aussi que vos joueurs partent les moins de dans les dernières minutes, parce que les joueurs, voilà, ils font triangle, ils font recherche, ils trouvent le premier qu'ils voient, et s'ils ont un style, bah, ils le prennent encore mieux, ils se jettent dessus. Là, vous voyez sous vos yeux un exemple avec un Williams, un des Williams. Les Williams marchent très très bien, d'ailleurs, dédicace à Netroxfut, sa chaîne est dans la description, qui me l'a conseillé, et il marche vraiment bien, je suis pas déçu. Donc là, vous voyez, par exemple, on a un gladiateur et un charnière. Ça peut être intéressant, on a aussi un sentinelle au bout mais il n'a pas cette forme. Donc ça peut être intéressant, vous cherchez un peu, puis voilà, vous cherchez un peu ce que vous jugez le plus intéressant, c'est à vous de prendre ce qui vous semble le mieux. Enfin bref, voilà. Donc après je vais vous montrer aussi à la fin une liste de joueurs qui marche pour cette technique. Moi j'en ai 60 dans ma pile. Donc en gros voilà, à chaque fois qu'ils partent, je leur achète, puis du coup bah, je me suis fait 600 crédits sur le joueur au moins. Et bah, du coup c'est bien. Et si voilà, en sachant que pour vous dire. Par relance sur 60, en une heure j'en vends à peu près 6, 7, 8, des fois 9 le soir. Mais voilà, en sachant que quand vous en vendez 3, ça vous fait 2000 crédits de bénéf.
Parce que vu que 1 c'est 700 crédits. Là vous voyez, on en a un qui est tombé à 1100 les mecs. Vous avez vu la bonne affaire. Regardez, on l'a eu à 1100 crédits. Les autres, ils sont à... En plus, on l'a eu avec 23 contrats. Enfin, 20, au moins 20 contrats. Ils sont à 2300 les autres, 2200. Donc là, il vient d'être tombé. Donc là, c'est limite de la tech 59 que je viens de faire. Mais quand vous, ouais, quand vous envoyez à 1000 de moins que les autres, vous le prenez direct. Là, on va se faire beaucoup de bénéfices sur celui-là. Parce que en sachant que les autres Williams les moins chers sont à 1200, il me semble. On va regarder ça ensemble. Voilà, 2200 les moins chers. Donc on va le mettre à... On va le mettre... Enfin, on va se faire au moins 1000 crédits, quoi. C'est énorme sur un seul joueur. Donc vous voyez déjà tout ce qui était parti. Voilà, là je vous montrerai après ma liste plus en détail, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai choisi de la remplir à 60. Donc je disais, en sachant que quand vous en vendez 3, vous faites 2000 crédits. Quand vous en vendez 6, vous faites 4000 crédits. Vous voyez que ça monte très 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 vite, les mecs. Donc vous voyez, je vais le rester à 2300 et je vous le dis, il est parti dans l'heure directement. Donc on se sera fait plus de 1000 crédits sur le Williams, donc ça fait plaisir, hein, un beau petit bénéf. 1000 crédits, voilà, c'est quasiment 3 matchs joués, hein, sur un seul joueur. Hein. Donc c'est vraiment bien. Après voilà, on a... Vous cherchez les joueurs qui sont partis, par exemple, voilà, Williams on l'a racheté, c'est bon, on l'enlève. Une fois que vous les avez rachetés, vous faites triangle sur play, vous les enlevez. On va faire un dernier exemple avec un Baba, que je viens de voir qu'il est parti. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, vous faites vous pouvez prendre la liste que je vous donne. Après, je suis sur Play, je le rappelle, donc je connais pas les prix Xbox. Mais je sais que cette technique a déjà été faite par pas mal de youtubeurs, notamment Clopyboy et tout. Et elle marche à peu près sur toutes les consoles, je pense. Et moi sur PS3, enfin c'est très très dur cette année à achat revente sur Play 3. Et bah, du coup, voilà, si nous on y arrive, je pense que tout le monde peut y arriver. Mais voilà, cette technique, j'ai un peu pris des exemples à droite à gauche. C'est une technique que j'avais fait aussi l'année dernière au début de FUT 15. Je faisais un peu cette technique là aussi, je m'étais fait pas mal de crédits. Mais j'ai modifié cette année, je mets tout le temps 700 de plus maintenant. Et bah, je vous montrerai la liste vraiment. N'hésitez pas à prendre cette liste là que vous allez voir après. Je vais vous la montrer plus en détail à la fin de la vidéo. Vraiment, ils marchent tous très bien et je vous dirai après les meilleures ventes aussi, etc. Voilà, vous voyez que j'ai plus de 100 000 crédits et je me suis fait ça en voilà, très rapidement les mecs, on se fait franchement si vous relistez beaucoup, si vous êtes là toutes les heures, que vous arrivez à relister un maximum de fois, en sachant qu'on a les vacances, enfin au moment où je fais cette vidéo moi, je suis en vacances, donc sachant que j'essaie de relister un maximum de fois, on peut se faire au moins on peut se faire facilement 50, 60, 70 000 crédits par jour avec cette technique là. Voire plus vraiment si ça dépend après si vous avez de la chance ou pas, et si ça dépend aussi si vous complétez avec d'autres petites techniques, voilà vous voyez sous vos yeux un petit baba que j'ai choisi de prendre avec 7 contrats. Après voilà, si vous voyez un style qui est à peu près au même prix que les autres, qui a 200 ou même 300 de plus, vous prenez. S'il a 600 de plus, vous prenez pas bien sûr. À part si c'est un style si c'est un style ombre et qu'il a 99 contrats, mais voilà, sinon vous le prenez pas. Donc voilà, vous voyez, on a racheté baba, on en a racheté quelques-uns. En gros, vous faites ça à chaque fois qu'il y en a qui partent, vous allez les racheter. Et en gros voilà, donc on va enlever Baba, on vient de le racheter. Vous voyez tous ceux un peu qui sont partis, enfin on a Sikira qui part très très bien. Lennon marche super bien, Sikira marche hyper bien. C'est de tous ceux que j'ai testé, c'est Sikira pour l'instant qui part vraiment le mieux. Lennon marche très bien, Dick Meyer aussi. Ghostchill il marche plutôt bien, il part régulièrement. Kouyaté il part. Diego Lopez il part bien. Ensuite on a Tioté qui part pas super bien, mais franchement ça passe. Voilà, enfin, vous voyez la liste sous les yeux, je vais pas tous vous dire un par un. Sanya qui part très bien, Sanya, je vais m'arrêter sur ce qui marche le mieux, à noter que je suis pas en live au moment où je fais cette vidéo, Sio part bien, d'ailleurs marche très bien, on a, après là, sur cette page là, Kazia ne le faites pas, il marche pas, Kazia, je vous le déconseille, mais vraiment tous ceux-là que j'ai, ils sont tous au moins partis plusieurs fois, Moya marche très très bien, Carole aussi marche très bien, enfin vous voyez tout sous vos yeux les gars, n'hésitez pas, faites pause, faites des screens, enfin je sais pas, écrivez, faites ce que vous voulez, et prenez cette liste les mecs que vous voyez sous vos yeux, Howard marche très bien, on a McGeady qui part très 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 bien, McGeady, Arbeloa et Williams aussi au fond, c'est Arbeloa et Williams et Sikira, je dirais que c'est les trois qui marchent le mieux, mais vraiment, prenez cette liste, vraiment, ils marchent tous les joueurs qu'il y a dans cette liste. Et après voilà, si vous avez la liste à 70, 100, vous en rajoutez, je peux vous dire quelques mots comme ça. Après, demandez-moi dans les commentaires si vous voulez, je vous répondrai quelques joueurs. Après, demandez pas de me demander 60 joueurs, mais demandez si vous me demandez un ou deux joueurs pour compléter, je vous dirai sans problème ce qui marche. Enfin bref, voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Une très très bonne technique, n'hésitez pas à la faire, les mecs, elle est juste énorme. On se fait surtout de très gros bénéfices. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, on va se retrouver pour une début d'une toute petite nouvelle série, ça va être assez sympa, vous allez voir. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Elias, adios. Bam, 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 bam.